tous les mercredis dans cet espace se déroule le soutien scolaire pour les moins de 16 ans et les moins de 18 ans. Donc dans le cadre du projet d'accès au niveau pour nos jeunes, on a souhaité les accompagner également au niveau scolaire. Donc nous avons des partenaires scolaires de différents établissements, trois établissements qui nous fournissent des enseignants qui sont dans diverses matières et qui sont là pour donner un coup de main à chacun des jeunes qui le souhaitent. Donc sur la base du volontariat, les jeunes viennent le mercredi pendant une heure avant leur après-midi d'entraînement. Ça permet aussi de préparer nos jeunes vraiment dans les têtes à ce double projet, ceux qui éventuellement pourront accéder un jour au centre de formation, donc pour préparer éventuellement une carrière professionnelle, d'être habitué dès le plus jeune âge à ce que la partie scolaire soit importante, presque aussi importante que la partie sportive pour l'ensemble du club et des dirigeants. Habituellement, dans cet espace, il y a une trentaine de jeunes qui sont au soutien. Aujourd'hui, un petit peu moins de monde, puisque exceptionnellement, une diététicienne est venue intervenir pour le groupe des moins de 16 à la mercerie. Ce qui est intéressant, c'est de les voir dans un cadre différent plutôt que le cadre scolaire pour pouvoir leur apporter donc un meilleur accompagnement. Donc le but, c'est de pouvoir à la fois résoudre des difficultés d'ordre on va dire pédagogique, mais aussi eh bien, de les accompagner sur des questions eh bien, d'orientation. Là ici, la chance qu'ils vont avoir, c'est vraiment d'avoir un cadre agréable pour travailler, spacieux, silencieux, et pouvoir recevoir une aide individualisée. Moi je conseille à chaque joueur U18, U16 qui peuvent venir, de venir, parce que ça nous permet à tous de réussir, et c'est gratuit, donc ça vaut le coup, et ça permet d'augmenter sa moyenne et après ça aide beaucoup sur le bulletin pour l'USON parce que on est aussi observé sur le plan scolaire. Ils regardent notre parcours rugbystique ainsi que scolaire, donc c'est aussi important d'avoir des bonnes notes et d'être apprécié par le club.